Oh, Mickey, Donald. Oh, Dingo, j'adore Dingo. Oh là là, Patty Muller. Patty Muller, regarde, il y a les raptous. Il y a deux mini. Oh, mais toi aussi, t'as des figurines. Oh, mais c'est génial. Alors, attends, ça... Mais je le connais, lui. Alors, attends, c'est pas Dingo, je confonds tout le temps. C'est Plutôt. Plutôt, j'adore Plutôt, c'est le petit chien. Et ça, et ça. Alors, ça, c'est Donald. Donald, je l'ai dans mon livre. Et toi, tu as quoi? Ah, Mickey. Mickey, j'adore Mickey. Lui, ça, c'est vraiment un héros, Mickey. Il réussit toujours ses aventures. T'as Mini, je vois aussi. Alors, Mini. Oui, je l'ai, Mini. J'ai Picsou. J'ai... Oh, le petit lapin. Le petit lapin, je l'ai pas dans mon livre. Moi, je vais le chercher. Hein, je vais le chercher. Coucou, 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 il est papa. Coucou, oui, Mamouna. Ça va, les deux? Ça va. Ça va, la seule. Alors, vous amusez avec des petites figurines de Mickey? Ouais, on adore l'univers Disney, tu vois. Moi, je lis les Picsou, j'adore les Picsou, ça me rappelle mon enfance. Et toi, tu te moques de moi. Elle a décidé de répéter tout ce qu'on disait, bah, ce chameau. C'est un perroquet. Alors, le Picsou, il est tout ce qu'on disait. Est-ce qu'il y a un perroquet célèbre dans l'univers de Walt Disney? Non, Il y en a sûrement un. Waco! Non, Yago! 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 Yago, c'est le perroquet dans Aladdin. En tout cas, nous, Walt Disney, on adore. Et moi, j'adore les super Picsou géants parce que ça me rappelle mon enfance. Je me disais. Écoutez, si tu aimes tout l'univers de Mickey, ouais. Et Ellie aussi, elle adore parce qu'elle a plein de petites figurines. J'ai une grosse surprise pour vous qui nous a été envoyée. C'est pas vrai? Oui. Ellie, je sais pas si elle a entendu. Ellie, t'as entendu, Mamounette? Elle a dit qu'elle avait une grosse surprise, une énorme surprise. J'ai pas entendu. Ah bah alors, je te le dis. Mamounette a dit qu'on avait reçu une grosse surprise sur le thème de Walt Disney, surtout de Mickey, c'est ce que j'ai compris. Mini, peut-être. Mini, peut-être. Lance-moi le générique, Doudou. Générique. Oui. Générique. Mini Mouse. Alors, je vous avais promis un gros colis. Oui. IMC Toys nous a envoyé un gros colis. J'avais compris un gros colis. Allez, Ellie, ouvre-moi ça. Moi, j'aime les brocolis. Allez, on ouvre ouais, ce gros colis. Toi, t'aimes les brocolis aussi? Oui, mais on aime bien les légumes. Allez, c'est parti. Tiens, regarde. Allez, Ellie. Je savais pas que c'était des légumes. Tu savais pas que c'était un légume, le brocoli? Oui. Bah, un brocoli, c'est un légume. C'est bien emballé, Mamounette. Vous savez, moi j'aime pas les fruits. T'aimes pas les fruits, toi? Alors, ça c'est. Hein, t'aimes pas le melon? Un petit peu une blague, ça. T'adores le melon. T'aimes pas la banane? T'aimes pas les raisins? Non, mais j'aime pas les autres. Ah, les autres? D'accord. Ah, les autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la maison de Mini. On sort. Oh, l'énorme colis! C'est IMC Toys qui nous a envoyé ça, donc c'est la maison de Mini! Ouah, c'est géant! Mini's House! Et là, regarde, tu sais qui y a, Mamounette? Il y a Mini et Daisy! Et tu sais quoi? Il y a 20 accessoires! Et regardez, elle fait de la musique apparemment! Trop beau! Alors, vous savez quoi? On va l'ouvrir? Allez, on l'ouvre! Allez, on l'ouvre. Alors attends, on va faire un petit scotch. Je vais montrer sur le côté, elle veut vous montrer ce qu'il y a sur le côté. Alors oui, on voit la maison, elle a l'air de se refermer. Là, c'est vraiment la maison, il existe aussi le magasin, le camping-car, etc. Il doit y avoir d'autres sets. Et là, regardez, on voit bien la petite maison avec le petit nœud de Mini là. Allez, ouvrez-moi ça. Elle est contente. Allez, on l'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on montre? La maison, bien sûr, il y a d'autres choses dedans. Regardez. Allez, ma puce, vas-y, tire. Oh. Ouais, des poupées sont là. Ah, alors, Ellie, aujourd'hui, parle comme un bébé. Ouais, et ben, il y a du montage, apparemment. Elle a régressé d'à peu près un ou deux ans aujourd'hui. C'est pas grave. Et on sait pas pourquoi. Ça touche. Allez. Hop, j'ai tout sorti. Alors effectivement, il y a du montage, Mamounette. On peut voir un toit bleu ici. On a ici une première partie dans un premier sachet ici, et une deuxième partie dans un second sachet. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir et on va monter tout ça. Et toi, tu as eu les petites figurines. Alors on en avait déjà quelques-unes, et c'est la même collection, Mamounette. Tu veux voir les anciennes figurines, Mamounette? Oui, alors ça, c'est l'ancienne Mini. On pouvait l'asseoir, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah oui, elle était amovible. Et celle-ci, c'est pareil. Et alors, elle est celle-ci, toute articulée. C'est celle qui est avec la maison. Regardez, c'est rigolo, elle a une casquette et tout. Je veux monter. Voilà.
On peut l'asseoir, on peut lui lever les bras. Il y en avait Mika, bien sûr, aussi. Et elle a des trous sous ses chaussures. Elle doit pouvoir se positionner à certains endroits. Coucou, Mili. Elle a raison, Ellie, regarde. Lui aussi, il a un trou. Ouais, fais voir, Daisy, mon cœur. Alors, Daisy, je te la rends. Elle est ici. Je veux monter la petite. Alors, Daisy, on dirait qu'elle a des énormes mains. C'est comme ça, hein. Ils ont toujours des super grosses chaussures dans les Disney. Oui, mon cœur. Et Donald, regarde, il est postier. Oh là là, mais en fait... Oh, mon bonjour. Allez, on va monter la maison de Daisy et de Millie. Ouais, je sais imiter Donald, ma mounette. Allez, vas-y. Alors, attention, je vais imiter Donald. Attends, d'abord Ellie. D'abord, Ellie va le faire. Vas-y, imite Donald. Quang quang. Quang quang, c'est pas mal. C'est un Donald du Sud. Quang quang. Alors moi je vais essayer. Attention. C'est un canard. J'y vais. Bah oui, c'est un canard. Il fait quang quang. Mais alors Donald, il a une voix particulière. Parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. On croise les doigts. Attention. Alors, déjà il fait ça. C'est nul. Et c'est nul. Et après il fait. Ouais, il y a de ça, mais c'est léger. Hein. Je vais vous apporter des bonnes bagarres, moi. C'est dur, ça fait mal à la gorge. Ouais. Non mais arrête, tu vas pleurer après. T'as les yeux tout rouges. Allez, monte-moi cette maison. Allez, on se retrouve tout de suite après. A tout de suite, les petits copains et copines. Ellie, alors vous allez monter la maison de Mini, ça y est, elle est devant nous, elle est toute prête, voilà. Elle est belle, hein. Permis de construire, validé, terminé, construction, remise des clés. Remise des clés, j'en prends une. Ça nous a pris à peu près une heure. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur, vous allez le voir, je vais la retourner. Oui, il y a beaucoup d'autocollants, en fait. Énorme. Ça prend du temps. Oui, ma puce. En fait, vous savez, il n'y a pas Mickey dans cette. C'est vrai qu'il n'y a pas Mika, vous avez vu, il y a Daisy et Minnie, mais Mika il est invité. Donc comme je vous disais, elle est déjà très très belle, l'aspect extérieur. On a la façade, il y a la petite porte qui s'ouvre de ce côté là, la petite porte battante. Qu'est-ce qu'il y a dans les mangas? Qu'est-ce qu'il y a dans les mangas? Ah oui, quelquefois dans les mangas il y a des gros marteaux, et là il y en avait un gros marteau comme ça, ça nous a fait rire. Et donc Minnie, elle peut l'avoir dans sa main comme ça. Bon, elle est gentille Minnie quand même. Oui, mais quand Donald il fait des bêtises, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'assomme. Et Donald il court après et elle bing bing bing, elle assomme Donald. Donc bref. La maison elle a deux étages et elle a son toit qui est bleu avec le nœud emblématique de Minnie. Alors tu nous retournes cette petite maison qu'on voit. Regardez bien. À quoi elle ressemble. Alors regardez, il y a tout un tas d'accessoires, de meubles. On a même ici, comme vous montrez Lily, une armoire. Ici on a quelque chose de sympathique, vous allez voir ce que c'est. Donc en haut on a la chambre. Mmh. Avec deux lits, donc double chambre. Sur les côtés, qu'est-ce qu'on a, mon gars ? Ici, on a la cuisine, avec Donald qui est en train de faire de la cuisine. Et qu'est-ce qu'on a là, ma mounette? J'arrive même plus à voir. Ici, c'est le salon. Avec la télé. On a un petit canapé. Tourne dans l'autre sens parce que, ah oui, on voit la télé. Oui, ok, il y a un petit canapé. Ok. Alors en dessous, hop, dessus, premier étage. Vous savez pas que dessus, il y a Mini et Cap. D'accord. Alors ici, on a une petite porte qu'on peut ouvrir. Regardez, tac, je l'ouvre. Oh, et là, on découvre le rez-de-chaussée. Alors Ellie est montée sur la table. Ouais, on découvre Ellie surtout. Alors ça, on va voir ce que c'est. Tu nous montreras après, mon petit. Ça, c'est un gros bonus. Ouvrez ce qu'il y avait dedans. Et alors, attendez. Là, elle veut absolument vous montrer l'armoire. Oh, Ellie a caché un
petit lapin, trop choupinoute. Allez. Ah, Monade, j'étais partie, on avait oublié d'allumer la lumière là-haut. Oh là là, c'est vrai qu'on te voit mieux. On voit mieux un peu. Je sais pas si vous êtes content, le petit copain, la petite copine. Je sais pas. Donc on continue. Donc ici, on a un bureau ici. Et là, ma Monade, c'est quoi? Comment on peut appeler ça? Et là, il y a des étoiles. Il y a un cœur. C'est quoi, une coiffeuse? Il y a une coiffeuse. Une salle de bain, une petite pièce pour se préparer. Et Ellie a raison, en haut il y a des étoiles et elles sont phosphorescentes, c'est-à-dire qu'elles brillent pendant la nuit. C'est chouette. Donc dans le noir, on voit les étoiles. D'accord. Est-ce qu'on peut pas le mettre dans ma chambre? Bien sûr qu'on le met dans ta chambre. On laissera ouvert pour les lumières. Je voulais voir les étoiles. D'accord, tu verras les étoiles. Mais tombe pas de la table, ça peut être pas mal. Tu peux me passer le petit bureau là, parce que je vais vous montrer les petites choses. Le bureau, mon cœur. Voilà, celui-ci. Le bureau. Oh, il y a quelque chose derrière. Alors voilà, donc déjà, il s'ouvre. Et en plus, vous voyez les petites choses là. Par exemple, le téléphone, il est maintenu voilà, par une petite patte. Comme ça, c'est super. Et la lampe, c'est pareil. Elle peut pas tomber. On a des petits accessoires comme le petit ordinateur portable. Voilà, ça se referme. Bon, c'est bon, Ellie a réintégré sa petite place. On avait marre d'être sur la table, elle est redescendue. Oui, elle est redescendue. Elle est cachée derrière. On dirait qu'elle est en prison. Regardez-la derrière le grillage là. Montre-nous ta tête derrière. Oh là là, petite bécholette. Aussi, je suis en prison, ma Monade. Voilà, petit copain et copine, surtout, il ne faut jamais monter sur les tables. D'une part, c'est dangereux, et d'autre part, ça se fait pas. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, attendez, je vais vous montrer le bonus. Il y a une pièce importante de la maison qu'on n'a pas vue. L'ascenseur. Alors, donc l'ascenseur, déjà, il est sur une crémaillère. Mm-hmm. Donc, on peut, bien évidemment, le descendre ou le monter. Regardez, je vais tout en bas. Oh là là, il est dangereux, la porte est ouverte. Il y a le bureau qui gêne. Enlève le bureau. Il y a le qui gêne. Allez, on recommence. Oh, c'est un massacre. On recommence. Faites comme si vous n'avez rien vu. En fait, voilà, il est sur une crémaillère. Oui. Mais bon, le jouet est tout neuf, alors c'est sûr qu'il faut qu'il se fasse un peu. Tu veux mettre lui? Bah, allez, mets-le. Donc voilà, l'ascenseur, lui, il monte, il va au premier, il va au second, il va au rez-de-chaussée. D'accord, et on l'actionne manuellement. On l'actionne. Il y a le 1, le 2, le 3. Mais ici, on a un petit bouton qu'on n'a pas testé. Alors écoutez bien, petit copain et copine, je baisse la musique et regardez bien ce qui va se passer. En fait, ça simule la montée ou la descente de l'ascenseur. Donc si je rappuie et que je monte, on dirait vraiment que c'est lui qui fait ça. Regardez bien. Avec la petite musique de la maison de Mini. Je pense qu'on va l'entendre un sacré paquet de fois, cette petite musique sympa. Oui, je pense qu'Ellie va jouer un bon moment avec ce soir. Donc regardez, je rappuie une dernière fois et je vais baisser l'ascenseur. Oh, mais j'ai rappuyé une deuxième fois. Alors, je viens de découvrir. Si on rappuie une deuxième fois, ça coupe la musique. Mmh. C'est pas mal ça. Hein. Comme ça, on peut l'arrêter à l'étage où on arrive. Regardez, j'appuie. Je m'arrête là. J'appuie. Oh. Je veux monter encore plus haut, j'appuie. La musique m'ennuie, j'appuie. C'est pas mal. Ben voilà, les petits copains et copines, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est donc la maison de Mini. Oui. C'est super sympa. C'est actuellement disponible en magasin, donc si ça vous intéresse, bah écoutez, vous pouvez aller l'acheter. Je vous mets en barre d'infos toutes les informations, c'est comme d'habitude, hein, vous commencez à avoir l'habitude d'ailleurs. Oui, c'est vrai, on se répète, on se rabâche. Mais c'est toujours pareil, oui, super sympa. Mais donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Les petits copains et copines, dites-nous en commentaire si ça vous a plu. Les papas et les mamans aussi. Peut-être que, et oui, les mamans et les papas ont le droit de jouer à l'univers Mini. De toute façon, on est obligé. Bah oui, on est un peu obligé quand on a des enfants, on joue avec. Hein. Mm. On adore ça. Déjà, on adore présenter les jouets et après, on adore jouer avec. Donc voilà, les petits copains et copines, on fait de gros bisous. Likez, partagez, commentez. On se laisse sur quoi, ma puce? Sur la musique? Non, la musique. Non, pas sur la musique. Sur quoi on se laisse? Sur le lapin qui est dans le tiroir. Ah, là-dedans. Ah oui, elle a caché son lapin. Donc regardez bien. Hop. Hop. On a un lapin, ma Monade? On a un lapin. Et attention au petit lapin. Ah, le petit lapin.